Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Et donc, comme vous l'entendez, une nouvelle musique, parce que nouvelle mise à jour. Apparemment, il n'y a pas une mise à jour au niveau des contenus des crates, hein, c'est dégueulasse. Y a moins de, par contre, il n'y a pas de cooldown, ça c'est cool. Ok, donc nouvelle mise à jour, nouveau contenu, vous voyez qu'on a une nouvelle interface, si on peut dire. Ça a un petit peu changé, vous voyez. Crac, bon, ça reste... très correct, hein, très facile d'accès si je puis dire. Je vais vous accepter rapidement, crac, play, et vous voyez donc là c'est là que ça change vraiment pour de vrai. On a les différents modes de jeu, des modes de, donc les modes de test, les modes d'édit de robots, les modes classiques, Team Deathmatch Battle, le mode élimination, le mode League Arena, le mode élimination qui correspond en fait à l'ancien mode Team Deathmatch. Le The Pit qui est le 1v1v1v1v1v1, le League Arena qui correspond au classé, le Team Deathmatch qui est toujours le même Team Deathmatch qu'on retrouve sur la dernière mise à jour, et le Battle Arena. On va partir toujours en Team Deathmatch. On va continuer un petit peu en fait le comment, ce qu'on avait démarré avec ce robot, et on va voir si oui ou non on devient efficace. Plusieurs changements dans cette mise à jour, incluant le Straf sur certains types de déplacements. Vous allez voir. Je sais pas s'il est disponible, remarque, attendez. Je sais pas s'il est disponible là. Donc oui, il faut aller maintenant ici. Oula, d'accord. Nouvelle interface ici aussi, d'accord, pourquoi pas. Test robot, d'accord. Ok. Et donc, si je veux, imaginons, test le robot, on va aller voir vite fait, on va juste faire ça vite fait. Donc lui, normalement, ne strafe pas, ce qui est stupide. Hein. De mémoire, il ne strafe pas. Voilà. Ne strafera pas. Nouvelle map apparemment aussi en bas. Intéressant. Ok, bon ça snipe toujours aussi bien. Pourquoi pas. Donc, sachant que, seules, aussi, autre chose, autre petite nouveauté, seules les cibles qui pourront viser votre ennemi le tireront dessus. Seules les armes qui pourront viser votre ennemi tireront dessus. Donc ça, c'est un véritable point positif. Normalement, cependant, on devrait pouvoir trouver du straf sur ce genre de robot. Hop. On va aller l'essayer tout de suite. Bien que. bien que. Je ne suis pas sûr qu'il soit déjà activé de base. Il fallait peut-être l'activer avant. Donc. Il n'y a pas de strafe du tout ici. Hop. Rien du tout. Rien du tout. Et normalement, on retourne au main menu. Alors, il y a le strafe. Maintenant, c'est nouveau. C'est sorti. Hein, mais maintenant, il faut voir comment ça se joue. Controls. Alors, c'est... J'aimerais bien rester dans le menu, s'il te plaît. Merci. Ok. Ok. Le chat, les slots. Donc ce serait peut-être pas là-dedans. Hein. Ok. Ce sera pas dans les settings aussi. Nanana, toggle zoom mode. Non, ça m'intéresse pas. Oui, ça c'est pas problématique. D'accord, non, rien du tout. Donc, alors, on va faire edit. Et normalement. Il y a un système de strafe. Hop. Oh. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux, jeu. T'es pas sérieux, jeu. Alors, un instant, chers amis. Re, chers amis, alors j'ai trouvé, regardez, c'est dans là, c'est option, hop, caméra contrôle, keyboard control steering. Alors on va voir lequel est efficace ou pas. On va bien voir. J'ai trouvé au moins. Donc là on a 0 strafe. Là on a 0 strafe, ok. Et donc si je mets caméra control steering, est-ce que ça change quelque chose? Ce serait pas plus mal, hein. Hop, caméra control steering, on y va, on teste. Et donc ça marche normalement avec les hovers, mais aussi avec les thrusters. Donc ça va être bizarre sur certains véhicules, hein, soyons honnêtes. Oh là. Ah oui. Ce qui fait que maintenant je peux... Ouais. Ce qui doit rendre, à mon avis, certains véhicules... Le Tesseract encore plus OP qu'avant. Hop les.
Ah, c'est stylé. Alors juste pour voir du coup maintenant. Ouais, mais ça rend du coup certains trucs. Vous voyez, du coup, c'est toujours la même arme qui tire maintenant. Bref. Voilà. Donc, ça doit rendre encore certains véhicules encore plus OP qu'avant. Je pense notamment à ceci, qui est en keyboard contrôle. On va le passer en caméra contrôle. On va faire un petit test avant, puis on va partir avec, je pense. Ça peut être rigolo. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, oui, du coup, les touches ici ne font plus rien. Ah bah non, du coup, c'est pas du tout efficace avec ces choses-là. Du coup, c'est pas du tout efficace. C'est pas du tout efficace puisqu'il n'y a plus, en fait, de touche de direction. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas du tout efficace sur ces Tesseract. C'est pas du tout efficace sur les Tesseract. D'accord, ok, bah c'est pas plus mal. Ça va peut-être nous rendre plus à même de nous défendre contre les Tesseract en soi. Donc ça me plaît. Ça me plaît. Du coup, ça, je le remets en classique. J'aimerais essayer aussi là-dessus, du coup. Est-ce que là-dessus, il y a possibilité d'avoir le caméra control steer? Parce que dans ce cas-là, ça peut être complètement OP. Hein. Test. Ça peut être complètement OP. On fait le test et après, on part avec. On part avec. Hop. Alors, alors. Oui, il y a ce steering. Il y a ce fameux steering. Génial. Par contre, ça va rendre les choses... Ah bah si, ça va être encore mieux pour les snipers parce qu'en fait, on se retrouvera toujours face à notre adversaire. Génial! Ça devrait être génial. On va voir si on est plus efficace avec ce fameux nouveau steering. En plus, on peut voir que c'est assez caché en plus dans le mode de jeu. Donc maintenant, vous savez tous où est-ce que ça se trouve. Team Deathmatch, on y va. On va péter des tronches. Sniff de la grog. D'accord. C'est quand la maintenance? Oh putain, le français. C'est magique. Can somebody just buy my bot? Non. Non, parce que personne n'achète les miens. Moi. Mais enfin bon, c'est parti. Alors, on a 24 secondes d'attente pour le Team Deathmatch, incroyable. En 38 mises à jour comme ça. Faut dire, les mises à jour sont tellement rarement arrivées à l'heure que maintenant, à mon avis, il y en a qui doivent se dire, bon, on revient à 3h, on leur laisse une heure de plus. Ça, c'est bon. Bah, c'était ce matin. Pauvre mec qui a demandé, il se fait lyncher. Ok, on est bon. Ungiver, celui qui ne donne pas. Celui qui survit quoi qu'il arrive. Hop. Alors. On y va. On va voir à quelle vitesse il va se tourner, je suis curieux de savoir. Allez. Wouhou. Ce qui fait par contre qu'on ne peut plus regarder autour de soi sans... Ah si, il y a moyen. Oh, t'es tellement bête. Oh, la gueule. Ouais, on est plus que 3. T'aurais pu la faire, c'est une partie qui dure à peine 10 minutes, quoi, merde. Oh, bah alors, il t'arrive une couille. Hop. Crac. On va essayer de grimper là-dessus. What the fuck? Oh. Oh. Mais t'es quoi? T'es en full régène ou quoi? Bon, ok. Ok, j'ai donné. Il devait être en régène à mon avis, parce que j'ai tiré 3 fois dans son canon. On l'a bien vu griser à chaque fois. Et cependant, rien n'en est sorti. Et le drone? What the fuck? Mais qu'est-ce qu'ils font sur notre spawn? Faudra un truc d'énergie aussi, je pense. Ok. Je me fais tirer dans le dos aussi, les mecs. Je sais pas où est-ce que vous êtes. Aïe!
Ah mais putain, mais ils sont partout. Faites quelque chose. Ah mais de toute façon c'est naze, on en a un qui s'est cassé, donc c'est chiant, on est acculé. Oh putain de... Alors bravo, hein, un mec qui joue platine. Donc on voit que c'est quand même un beau trou du cul. Hop. Hop. Crac. Hop. Ah putain. Hop. Ah non mais là c'est vraiment naze, je suis désolé hein. Moi je dis, on quitte une partie, c'est rank down. Voilà. On quitte une partie, c'est rank down. Voilà, platinum et tu redescends à gold. Voilà, ça t'apprendra. Ah non, parce que là on se fait farm quoi. Mais non, putain, mais... On se fait farm au spawn, c'est drôle hein, dis donc. Hop, tu sers à rien. Eh les mecs, vous faites quoi là? Hop. Je vais essayer de me mettre en dessous de lui. Oh. Mais merde. Hop, voilà. Ah mais merde! Mais couvre-moi, bon Dieu! Ça m'y sert à rien, ce bonhomme. Ah non, mais je suis désolé, mais j'ai l'impression de me prendre plein la gueule alors que je fais plein de dégâts et que... Le truc, c'est que... Oh! Mais putain, mais merde, c'est pas drôle, là. Je suis désolé, à cause d'un trou du cul qui se barre, il y aurait du report dans l'air. Raté. Hop. Oh mais... Tiens, dégage. Ah mais merde! Putain mais restez vivant quoi! Faites quelque chose! Putain on fait un kill! Non non faut pas exagérer non plus! Hop! Hop. Hop. Ok. Raté. Boum. Hop. Oui. Voilà, parfait. Parce que là, franchement, je suis désolé, mais alors, regardez le dégât que je fais pas un kill. Ah non, là, c'est une vraie boucherie. Tout ça à cause d'un trou du cul qui s'est barré, on n'a pas le nombre de joueurs requis. Alors voilà, bravo. Le mec, il sait même pas choisir son mode de jeu. Tellement de rare dans une silver. Qu'est-ce que ça doit être dans une protonium? Ok, on y retourne, chers amis, parce que là, il faut vraiment une vraie partie, merde. Là, il nous faut vraiment une vraie partie. C'est nécessaire. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on n'a pas utilisé notre... On a toujours utilisé notre canon, on n'a pas utilisé notre méga bomber en dessous. Donc bon.
Bon. Allez. Une vraie game, s'il vous plaît. Personne qui fuit. On sent les grosses connexions chez nous. Ça y est. Bah, dis donc, si t'arrives à toucher avec ton truc. Ok, bon, bah écoutez, on y va. This is team deathmatch. Kill the enemy team to win. The first team to reach the target floater wins. Ok, on y va. J'ai vu quelque chose. Ok, je vois sur quel genre d'équipe on tombait. Hop, les spotted. Ok, il régène. Oh, allez. Boum! Tous là-bas. Il est en train de donner apparemment, non? Non, j'ai cru. Hop. Oh! J'ai pas réussi à asséner un coup fatal. Oh! En train de donner à fond. Ah bon, depuis quand? What the fuck? Oh la gueule! Merci. Mec, on a pris tellement cher sur ce coup là. Oh putain, elle lui est passée au coin de la gueule celle là excusez-moi pour l'expression, chers amis, je sais qu'elle est un petit peu violente. Ah mince. J'ai vu. Hop les. Reviens, on va faire copain. Hop. Non, pas de régène. Boum. Allez. Boum. Boum. Allez. Boum. Allez. Boum! Boum! Ok, j'ai plus d'armes, j'avais pas fait gaffe. Hop, allez! Merci. Attention par là! Ok. Oh putain. Il me fait chier avec son machin lui. Ok. Une grosse défaite hein. Ok.
une grosse défaite vu qu'ils sont très très tankés avec le robot. Ah putain. Hop, des dégâts splash, ça peut faire du bien. Oh, zéro. Hop. Bien joué. Ah merde. Bon, 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 on en chie. On en chie, on en chie, on en chie, on prend très très cher. Ils sont extrêmement tanky, leurs robots. Hein. Alors j'ai pas l'impression de faire de dégâts, je sais pas comment je pourrais l'exprimer autrement. Eh merde, c'est un allié. Mais ouais ouais ouais, non on est pas bon là, on a 10 kills de retard, c'est la fin. Hein. Faut pas se voiler la face. Oh, voilà, touché. J'ai l'impression que les armes ont été nerfs. J'ai l'impression que les armes ont été légèrement nerfs. Oh! Ok. Ok, ok, ok. Ça va être la double défaite, mais bon, c'est comme ça. Hein. Oui, oui, allons-y. C'est une défaite. C'est une défaite. C'est comme ça. Bon, bon, bon. Double défaite face à des ennemis vraiment très très puissants. Tant mieux pour eux, hein. Tant mieux pour eux. Pouah, on tombe une épique dans un... Bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Juste, je vais aller la recycler un instant. Hop. Crac. Merci. Ça nous fait toujours quelques points supplémentaires. Bah, il n'y a plus les... Ah si, voilà, les cubes forgés sont ici. D'accord, vite fait, j'imagine que ça n'a pas été réduit. Non, 50 000, 50 000. Ok. Eh bien écoutez les amis, n'hésitez pas à pouce-vériser la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner comme d'habitude, hein, rejoindre le groupe Steam si vous le souhaitez. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop!